gens, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles et préparez-vous à toutes sortes de merveilles. Certains viennent de très loin et parfois d'au-delà de nos frontières. Et ce soir, ils sont dans votre ville. Accueillez dans la pièce la grande troupe de Saint-Amand. Regardez, écoutez, sentez, tout est différent. Sous la toile de leur théâtre éphémère, ils sont les rois. Allez, hâtez-vous, montez sur scène. Jongleurs, acrobates, magiciens, dresseurs, poètes, comédiens, le public vous attend. Le spectacle commence.
Le saut du tremplin. Clown admirable, en vérité, je crois que la postérité, dont sans cesse l'horizon bouge, ne le nommera qu'en tremblant. Il était barbouillé de blanc, de jaune, de vert et de rouge. Même jusqu'à Madagascar, son nom était parvenu car c'était tout selon tous les principes qu'après les cercles de papier, sans jamais les estropier, il traversait le rond des pipes. Il s'élevait à des hauteurs telles que les autres sauteurs se consumaient en lutte vaine. Il le trouvait décourageant et murmurait « Quel vif argent ce démon a-t-il dans les veines ?» Tout le peuple criait « Bravo !» Mais lui, par un effort nouveau, semblait roidir sa jambe nue. Et, sans que l'on sût avec qui, cet amoureux de la vie parlait bas en langue inconnue. C'était avec son cher tremplin. Il lui disait « Théâtre plein d'inspiration fantastique, tremplin qui tressaille, tais-moi. Quand je prends un élan, fais-moi bondir plus haut, planche élastique. » Frêle machine aux reins puissants, fais-moi bondir. Moi qui me sens plus agile que les panthères, si haut que je ne puisse voir, avec leurs cruels habits noirs, ces épiciers et ces notaires. Par quelque prodige pompeux, fais-moi monter, si tu le peux, jusqu'à ces sommets où, sans règle, en brouillant les cheveux vermeils des planètes et des soleils, se croisent la foudre et les ailes. Plus haut encore, jusqu'au ciel azur, jusqu'à ce lapis dont l'azur couvre notre prison mouvante, jusqu'à ces rouges orients où marchent des dieux flamboyants, fous de colère et d'épouvante. Plus loin, plus haut, je vois encore des boursiers à lunettes d'or, des critiques, des demoiselles et des réalistes en feu. Plus haut, plus loin, de l'air, du bleu, des ailes, des ailes, des ailes. Enfin, de son vil échafaud, le clown sauta si haut, si haut, qu'il creva le plafond de toile au son du cor et du tambour et le cœur dévoré d'amour alla rouler dans les étoiles. Oh. Et nous n'allons pas en rester là. Ce soir, nous allons tout faire et tout mettre en œuvre pour vous faire sourire. Rire aux éclats ! Tremblez ! Et peut-être même plus encore, car nous avons plus d'un tour dans notre sac. Mesdames et messieurs, âmes sensibles, passez votre chemin! Pour les plus courageux, accrochez-vous à votre siège, car désormais et maintenant, nous allons faire tout en sorte pour vous apporter du frisson. Car voici un incroyable duo. Un homme qui va risquer sa vie là, derrière ce rideau, avec sa compagne. Oui, 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 tremblez, ayez peur, car il risque sa vie, il va repousser les limites du danger ce soir. Derrière ce rideau, les limites du danger sont avec nous. Je vous présente
le lanceur de couteau. Qui nous rend barjots.
quand il se met à jouer la vieille guitare, voyage dans sa tête, et quand elle s'arrête, les pas sont galop, on a mal en dedans, mon pote le gitan, c'est pas marrant. Le gitan un jour est parti, et Dieu seul sait où il balade sa vie. Ce type-là était un grand musicien, ça j'en étais sûr, moi je le sentais bien. Un jour on m'a dit qu'on est venu chercher un grand musical, a voulu l'acheter, mon pote le gitan, il a refusé, un haussement d'épaule. Et il s'est barré. J'ai eu l'impression de perdre un ami, et pourtant ce gars-là m'a jamais rien dit. Mais il m'a laissé un coin de sa roulotte, et dans ma petite tête j'ai du rêve qui trotte. Sa drôle de musique en moi est restée. Quand je pense à lui, il m'arrive de chanter. Scapin, valet fourbe et inventif, court le risque d'être châtié par son maître. En effet, le crédule Géronte vient de révéler à ce dernier la trahison de son serviteur. Scapin entend se venger de Géronte en lui faisant croire que quelqu'un est à sa poursuite, résolu à lui ôter la vie. Eh bien, Scapin, comment va l'affaire de mon fils ? Votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté. Mais vous courez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde, et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre logis. Comment donc ? À l'heure que je vous parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer. Moi ? Oui. Et qui ? Le frère de cette personne qu'Octave a épousée. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place que tient sa sœur est ce qui pousse le plus fort à faire rompre leur mariage. Et, dans cette pensée, il a résolu hautement de décharger son désespoir sur vous et de vous ôter la vie pour venger son honneur. Tous ses amis, gens d'épée comme lui, vous cherchent de tous les côtés et demandent de vos nouvelles. J'ai vu même, de ça et de là, des soldats de sa compagnie qui interrogent ceux qu'ils trouvent et occupent par peloton toutes les avenues de votre maison. De sorte que vous ne sauriez aller chez vous, vous ne sauriez faire un pas, ni à droite, ni à gauche, que vous ne tombiez dans leurs mains. Que ferais-je, mon pauvre Scapin ? Je ne sais pas, monsieur, et voici une étrange affaire. Je tremble pour vous depuis les pieds jusqu'à la tête. Et... attendez. Et ? Non, 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 ce n'est rien. Ne saurais-tu trouver quelque moyen pour me tirer de peine ? J'en imagine bien un, mais je courais risque, moi, de me faire assommer. Et Scapin, montre-toi serviteur zélé, ne m'abandonne pas, je te prie. Je le veux bien. J'ai une tendresse pour vous qui ne saurait souffrir que je vous laisse sans secours. Tu en seras récompensé, je t'assure, et je te promets cet habit-ci quand je l'aurai un peu usé. Attendez, voici une affaire que je me suis trouvée fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous vous mettiez dans ce sac et que... Ah ! Non, 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 ce n'est personne. Il faut, dis-je, que vous vous mettiez là-dedans et que vous vous gardiez de remuer en aucune façon. Je vous chargerai sur mon dos comme un paquet de quelque chose et je vous porterai ainsi, au travers de vos ennemis, jusque dans votre maison où, quand nous serons une fois, nous pourrons nous barricader et envoyer quérir main forte contre la violence. L'invention est bonne. La meilleure du monde. Vous allez voir. Tu me paieras l'imposture. Et ? Je dis que vos ennemis seront bien attrapés. Mettez-vous bien jusqu'au fond et surtout prenez garde de ne vous point montrer et de ne branler pas quelque chose qui puisse arriver. Laisse-moi faire, je saurai me tenir. Cachez-vous, voici un spadassin qui vous cherche. Quoi ? Je n'aurai pas l'avantage de tuer ces gérantes et quelqu'un par charité ne m'enseignera pas où il est ? Ne branlez pas. Qu'avez-vous dit ? Je le trouverai, se cacha-t-il au centre de la terre ? Ne vous montrez pas. Oh, l'homme au sac. Il était vaillant, Louis, et m'enseigne peut-être le Géronte. Vous cherchez le seigneur Géronte ?
Oui, Mordi, je les cherche. Et pour quelle affaire, monsieur? Pour quelle affaire? Je veux qu'Adélis les faire mourir sous les coups de bâton. Oh, monsieur, les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui, et ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Qui? Ces Fat de Géronte, ces Marot, ces Vélitres? Le seigneur Géronte, monsieur, n'est ni Fat, ni Marot, ni Vélitres. Et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'autre façon. Comment? Tu me traites à moi avec cette hauteur? Je défends comme je dois un homme d'honneur qu'on offense. Est-ce que tu es des amis de ces Gérantes? Oui, monsieur, j'en suis. Ah, Cadédis, tu es de ses amis, à la vonure. Tiens, voilà ce que je t'évaille pour lui. Ah, ah, monsieur, ah, ah, monsieur, tout beau, ah, doucement, ah. Va, porte-lui cela de ma part. Adieu, Zias. Ah, diable soit le Gascon. Ah, ah, Scapin, je n'en puis plus. Ah, monsieur, je suis tout moulu et les épaules me font un mal épouvantable. Comment? C'est sur les miennes qu'il a frappé. Mais ni, monsieur, c'était sur mon dos qu'il frappait. Que veux-tu dire? J'ai bien senti les coups et les sens bien encore. Non, vous dis-je, ce n'était que le bout du bâton qui a été jusque sur vos épaules. Tu devais donc te retirer un peu plus loin pour m'épargner. Ah, je suis roué. Ah, je suis mort. Pourquoi diantre faut-il qu'il frappe sur mon dos? Prenez garde, voici une demi-douzaine de soldats tout ensemble. Allons, tâchons à trouver ce Géronte, cherchons partout. N'épargnons point nos pas, courons toute la ville, n'oublions aucun lieu, visitons tout, furetons tous les côtés. Par où irons-nous? Tournons par là. Non, par ici, à gauche, à droite. Cachez-vous bien. Ah, camarade, voici son valet. Allons, coquin. Il faut que tu nous enseignes où est ton maître. Eh, hey, messieurs, ne me maltraitez point. Allons, dis-nous où il est. Parle, hâte-toi, expédions, dépêche vite. Eh, hey, messieurs, doucement. Si tu nous fais trouver ton maître tout à l'heure, nous allons faire pleuvoir sur toi une ondée de coups de bâton. J'aime mieux souffrir toute chose que de vous découvrir mon maître. Nous allons t'assommer. Faites tout ce qu'il vous plaira. Tu as envie d'être battu? Je ne trahirai point mon maître. Ah, tu en veux tâter? Voilà. Ah, infâme! Ah, traître! Ah, scélérat! C'est ainsi que tu m'assassines! Voici maintenant sur la scène du théâtre des Saltimbanques un duo stupéfiant. Un musicien inventeur et son incroyable machine à produire des sons. Allez! On vous a dit qu'on allait vous surprendre. Là, vous serez encore plus surpris. Des jours et des nuits entières ont été nécessaires à l'élaboration de cet incroyable instrument. Issue tout droit d'une technologie nouvelle, elle va vous être présentée ce soir en exclusivité devant vous et après va parcourir tout le pays pour rencontrer quelque chose de formidable avec le public. Un son, tendez l'oreille. Vous allez être surpris. Voici, mesdames et messieurs, le cristallophone dompté par son génial concepteur. Thank you.
Où je veille chaque nuit. N'allez pas croire que je m'ennuie. La nuit est riche, d'autant plus que je la partage avec mon ami de longue date, Edgar. Vous ne le voyez pas, il n'est pas d'un naturel timide, il préfère se cacher. Avant d'habiter ces lieux, il était joyeux et aimait faire rire. Depuis, il inspire peur et effroi. Mais par chance, un soir, un autre animal de nuit franchit la grille. Ce n'était autre que le chat d'Edgar qui fut bien heureux de retrouver son défunt maître. Quel bonheur de te retrouver, mais quelle mélancolie dans ce monde sombre et sans couleur. Tu as été bon avec moi, tu m'as choyé. Dorloté, je voudrais te récompenser pour ces bons soins et je vais te confier un secret. Ce cimetière a été jadis occupé par un célèbre saltimbanque. Il se pourrait que tu trouves dans sa tombe sa flûte, comme on disait enchanté. Peut-être pourra-t-elle changer ta mort. Merci.
Notre ami, ravi de sa trouvaille, travailla durement. Chaque nuit, il progressait. L'instrument se révéla bien magique. Première note mélodieuse, Edgar put ressentir le doux parfum des fleurs. Il retrouva ainsi peu à peu la joie qu'il n'avait jamais quittée de son vivant. Thank you.
là-dedans. Viendras-tu, Finette? Voilà une servante bien impertinente. Finette! Faut-il que je réveille toute l'aile du palais pour que tu daignes me répondre? Finette! Voilà, voilà, j'arrive! Laissez-moi le temps de m'habiller! Me réveiller ainsi en pleine nuit? Ce seigneur-là a de bien mauvaises manières. Que dis-tu? Je dis que je vais au plus vite pour vous satisfaire, monsieur. J'espère. Finette, Finette, attends un peu. Méline, que se passe-t-il? Tu as l'air bien pâle. Finette, écoute-moi, Seigneur Démon m'a demandé de le rejoindre ce soir. Quoi? Il m'a donné cette lettre après le souper, m'ordonnant de le retrouver dans sa chambre une heure après minuit. Mon petit trognon, ma petite langouste, quel vieux cochon! Hélas, Finette, si je ne cède à son caprice, il va me renvoyer dès demain. Ne désespère pas, Méline. Laisse-moi réfléchir. On ne va pas laisser ce vieillard sénile faire sa loi. Écoute bien, j'ai mon idée. Lettre. M'aurais-tu oublié? Finette! Voilà, voilà, j'arrive, monsieur. Seigneur Démon, que me valent ces cris en pleine nuit? Mais j'ai besoin de toi. Maintenant? Oui, maintenant. J'ai un rendez-vous. Oh, que c'est trop mignon, à votre âge. N'allez pas me dire que vous êtes encore tombé amoureux. Et pourquoi pas? D'ailleurs, que cela te plaise ou non, j'ai rendez-vous ce soir. Ici même, avec Méline. Ah, Méline? Catastrophe! Pardon? Ce n'est pas la peine de vous fatiguer, vous pouvez aller vous recoucher. Que dis-tu? Je dis que ce n'est pas la peine, vous ne vous fatiguez point, vous ne devriez point la toucher. Et pour quelle raison? J'ai promis de ne rien dire. Et moi? Je t'ordonne de tout m'expliquer. Méline est atteinte de phtisiol. Comment? De phtisiol, monsieur, de phtisiol. C'est une horrible maladie très contagieuse qui se transmet au contact de l'épiderme. Vraiment? Méline a pourtant l'air en pleine forme. Oh, mais c'est ce que vous croyez, elle cache fort bien son jeu. Vraiment? C'est une maladie invisible à l'œil nu. Ceux qui l'attrapent ont la peau qui les gratte jusqu'à la mort. C'est affreux. La peau qui les démange sur toutes les parties du corps. Oh, mais c'est abominable. La peau qui les gratte jusqu'à l'éternité. Mais quelle horreur! Mais moi qui m'apprêtais à la conduire dans mon lit. Malédiction. Finette. N'as-tu pas entendu? Il est déjà minuit passé d'une heure. La voilà qui s'en vient. Finette, fais quelque chose. Laissez-moi la recevoir. Oui, oui. Venez, venez, venez. Venez vous asseoir. Je vous en prie, venez vous asseoir. Asseyez-vous là. C'est un effort. Oh. Et surtout, faites le malade. Oh, tu as raison. Faites le malade. Oh, que je suis mal. Bonsoir, petit trognon. Bonsoir, Finette. Pauvre de moi. Bonsoir, Seigneur. Oh, misère de misère.
arrive-t-il? J'ai une énorme migraine. Moi qui me réjouissais de vous voir. Finette, voilà qui s'en rapproche. Moi qui n'attendais cette minute que depuis si longtemps. Mais Finette, je t'en supplie, fais quelque chose. Hola, hola, mademoiselle Méline, ne voyez-vous point que Seigneur Démon n'est pas au mieux de sa forme? Oh non, moi je le trouve tout à fait charmant. Et moi je vous dis qu'il a une immense migraine et qu'il a besoin de calme. Cela est fort fâcheux. Et qu'il serait heureux que vous lui jouiez une de ces pavanes, promptes à endormir ses douleurs et à plonger son esprit dans un sommeil profond et réparateur. N'est-ce pas, Seigneur Démon? Absolument. Eh bien, soit, mais je n'ai point la flûte. Tenez, je vais vous prêter la mienne. ou plutôt, je vous la donne. Je vous accompagnerai, mademoiselle Béline, quand vous aurez cessé de vous gratter. Mais avant cela, Seigneur Démon, venez vous asseoir. Venez vous asseoir. Asseyez-vous là. Que vous êtes malade. Qu'avez-vous bien au fond du siège? Surtout fermez les yeux. Et surtout ne bougez plus jusqu'à demain. Thank you.
et appartement, une demoiselle se tenait en train de raconter une tranche de sa vie à toute personne qui voulait bien entendre les gens d'en bas. Bien entendu, cette jeune demoiselle avait une vie un peu ordinaire, dirons-nous, mais comptait d'une façon si exquise que je crois qu'elle pourrait se tourner cette histoire en vert. Cet homme se dit artiste. Non, mais moi qui n'y connais rien,
Moi qui n'y suis pas dentiste, j'exercerai tout aussi bien. Et c'est pour ça qu'on vous fait appel. Et c'est pour ça qu'on vous prend. On vous prend 20 francs. Non, ces dentistes sont à pendre. À pendre tout comme le mal aux dents. Enfin, je file à la mairie. J'arrive trop tard. Tous ont déserté la cérémonie. Seul mon Ferdinand est resté là. À ma vue, il se met en rage. À ma vue, il se met en rage. Et tout se rend tout à fait. Bref, j'ai raté mon mal aux dents. Bref, j'ai raté mon mariage. J'ai toujours mal aux dents. Demandez force, rigueur et courage. Ce numéro qui défie toutes les conditions de sécurité va vous demander à chacun d'être dans un silence le plus total. Je ne rigole pas, attention, maintenant, désormais, dans cette nouvelle deuxième partie, je vais vous demander, lorsque le rideau qui va se lever derrière moi, silence absolu. Pas de gestes brusques. Je ne rigole pas. Nous l'avons trouvé très très loin, dans les plaines du Caucase. Il a traversé toute l'Europe à travers une cage. Une cage. Mesdames et messieurs, ce soir, dans la scène du théâtre des Saltimbanques, je vous demande d'applaudir très fort le montreur d'ours et sa bête féroce! Thank you.
Un paysage choisi que vont charmants masques et bergamasques jouant du luth et dansant et quasi tristes sous leur déguisement fantasque. Tout en chantant sur le mode mineur,
l'amour vainqueur et la vie opportune, ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur, et leur chanson se mêle au clair de lune. Au calme clair de lune triste et beau, qui fait rêver les oiseaux dans les arbres et sangloter d'extase les jets d'eau, les grands jets d'eau sveltent parmi les marbres. Paul Verlaine. Je ne saurais jamais reconnaître quand il y aura de la fièvre.
Je vais te l'expliquer tout de suite. Quand le pot est égal à zéro, c'est-à-dire qu'il fait tac, 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 il n'y a pas de piège. Mais quand il est rapide et interrompu, qui fait titata, 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 alors il y a de la fièvre. Voilà qui est joli. Tac, tac, tac. Point de fièvre, titata, titata, de la fièvre. La fièvre est comme un cheval qui galope. Titata, titata. Ah, de voilà aussi savant que les plus grands maîtres. Allons-nous-en. Titata, titata. Je préfère le titata. À moi la fortune. Sous ses pas, que ne suis-je l'onde de...
Puis-je par un songe tenir son cœur enchanté? Que ne puis-je du mensonge passer à la vérité? Les dieux qui m'ont donné l'être m'ont fait trop ambitieux, car enfin je voudrais être tout ce qui plaît à ses yeux. Envie d'avoir une femme. Et il se maria. Mais il ne fut pas très heureux. L'épouse qu'il se choisit de manière inconsidérée ne lui laissa pas un instant de repos. Quand il revenait de par le monde, elle lui rebattait les oreilles et le tourmentait tellement par ses bavardages qu'il finit par ne plus pouvoir la supporter et finit par quitter la ville et la maison où ils habitaient. Tandis qu'il cheminait, il fit la connaissance d'un médecin récemment diplômé qui n'était pas sorti depuis longtemps des bancs de l'école. Ils se mirent à bavarder et le médecin ne fut pas long à comprendre que le diable fuyait sa femme. Le diable apprit ensuite que le médecin désirait faire fortune et être respecté pour son savoir. Il lui dit qu'est-ce que nous risquons à nous associer? Je m'introduirai dans le corps des malades et je ne leur ferai quitter le monde des vivants que sur ton ordre. Lorsqu'ils t'appelleront avant de trépasser, si la récompense en vaut la peine, dis-le-moi. Je t'obéirai point par point et je quitterai le corps des malades. L'argent que nous gagnerons ensemble, nous le partagerons en deux parts égales. La proposition était fort séduisante, mais le diable n'était pas honnête. Il comptait tourner les choses de telle façon que le médecin confiant tombe en son pouvoir. Ce dernier était intelligent. Et ils firent une entente. Puis ils partirent dans la première ville venue, et le diable s'introduisit dans le corps d'un des hommes les plus riches de cette ville. Il commença à le tourmenter odieusement. Des médecins vinrent visiter le malade, puis des prêtres avec leurs prières, des guérisseurs avec leurs incantations. Mais aucun ne parvint à le soulager. Notre médecin arriva enfin. Il promit de guérir le malade à condition qu'on lui donnât 1000 ducats. C'était beaucoup d'argent. Cependant, on décida de le lui donner seulement une fois que le malade serait guéri. En cas d'échec, par contre, le médecin aurait la tête tranchée. Le docteur s'approcha du malade et chuchota à l'oreille l'ordre convenu avec le diable. « Vite, sors de là. On m'a promis 1000 ducats. » Mais le diable ricana. Je sais. Mais je sais également que ta vie est en jeu. Prépare-toi à la perdre, car je ne t'obéirai pas. En entendant cela, le médecin fut mort de peur et pria le diable de respecter leur accord et de sortir du corps du malade. Mais le démon persévéra dans sa décision. Arrivé à cette extrémité, le docteur se souvint de l'existence de l'épouse du diable. Il savait que, devant elle, il s'enfuyait comme devant une croix.
aussi, lui dit-il. Puisque tu ne veux pas céder, soit. Mais il faut que je t'apprenne auparavant une bonne nouvelle. Ta femme est arrivée et elle te cherche. À ces mots, le diable s'écria : je préfère me déjuger plutôt que de vivre en enfer avec cet impie. Il s'échappa aussitôt du corps du malade et on ne le revit plus jamais dans cette ville. Un don qui lui vient d'au-delà,
percevoir des choses et vous faire percevoir des choses dont vous allez revenir de très loin. Voici maintenant, mesdames et messieurs, le grand Aldota Télé. Transformer l'eau
Certains, ainsi, pourront me demander des autographes à la fin de cette soirée merveilleuse. Mais pour ce faire, il va me falloir de l'encre. Mesdames, messieurs. On n'a pas que ça à faire. C'est fantastique. Maintenant, comment faire ? Pour transformer de l'eau dans de l'eau en eau. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire. En revanche, lorsque je vois ce verre de vin, qui me donne d'ailleurs fort envie, vous en êtes où, là, dans votre petit secret ? Eh bien, ça va vous coûter une fortune. Concentrez-vous. Et là, le vin va se transformer. Chez moi se trouvait une maison habitée par des esprits bruyants et malins, des esprits frappants, frappeurs même. Les habitants de cette maison n'en pouvant plus, ce vacarme incessant, les habitants décidèrent donc de quitter cette maison. Le problème, c'est que personne n'en voulait cette maison. À ce moment-là, donc, elle fut démolie. Profitant d'une nuit de pleine lune, je me rendis dans la maison, dans les ruines, parce qu'elle était en train d'être démolie. Et j'ai récupéré,
italien, le français. Je récupérerai à ce moment-là une poutre. Une poutre qui tenait le toit. C'est du bois. Une poutre en bois. Cette poutre est habitée par des esprits. Des esprits malins et frappeurs. Que nous allons ce soir réveiller afin que cette poutre nous révèle tous ses secrets. Et pour ce faire, je vais la diriger dans la bouteille de vin blanc spécial crustacé. Et vous allez voir, le miracle va se produire. Les esprits vont se réveiller, mais pour ce faire, j'ai besoin que vous teniez tous la main. Baroum. Oui, on va te l'écouter. Badaboum. Baroum maintenant. Tadouloum. Les esprits sont là, ils vont se réveiller. Désolé pour ceux qui ont la main droite. S'il vous plaît, un peu de silence, un peu de sérieux, les esprits sont là. Ah! Messieurs, et pour vous le démontrer, nous allons refaire une expérience qui peut durer quelques minutes, quelques secondes, voire des jours. Vous êtes assis, vous avez de la chance. Réveillez-vous, ce sont des esprits, des morts. Ceux qui pensent que l'esprit de Catherine Deneuve est là. Ce n'est pas possible. Tenez, s'il vous plaît. Ce n'est pas possible. La poutre est trop mince. Concentrez-vous. Ne vous tenez plus la main, c'est pas la peine, de toute façon ça ne sert à rien. Les esprits sont là, eux seuls vont faire tomber cette poutre, cette fille de poutre. Vas-y, tombe. Je les sens, je les entends. Vous les entendez, vous n'entendez rien, vous, de toute façon, ça ne vous pas. Ils sont là. Faites du bruit, tapez dans les mains. Chose sur les esprits qui ont tout fait, par rapport.
je viens ici ce soir, c'est que je suis le seul professionnel de la soirée. Je fais ça depuis des années, certains me suivent d'ailleurs partout dans mes démonstrations, je reconnais certains. On ne voit rien en même temps. Je vais maintenant vous faire une démonstration de mes pouvoirs absolument surnaturels. Après l'eau, le vin, l'encre bleue, une cagoule. Non, mesdames, ce n'est pas du latex. Je vais demander de mettre la tête dedans pour vérifier qu'il n'y a rien, que vous ne voyez rien. Il est là. Est-ce que vous voyez quelque chose? Il est étouffé. Quelqu'un veut essayer? Grâce à cette cagoule, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, un peu de silence. Je vais vous démontrer que je suis capable de voir. Il faudra d'ailleurs mettre un peu de lumière pour que la personne que je vais inviter à venir me rejoindre puisse voir quelque chose. Il va me falloir une femme très âgée. Bon, j'ai vu qu'elle avait quand même pas mal. Mais vraiment très très âgée. Qu'elle se dénonce tout de suite. S'il vous plaît, on n'est pas là pour rigoler. Lumière, s'il vous plaît. Elle est où la vieille? Nathalie, la voisine. La plus vieille. Mesdames, messieurs, je vais enfiler cette cagoule. Je vais vous demander d'ailleurs après de me l'attacher pour qu'on soit sûr, vraiment sûr que je ne vois rien. Et vous allez me montrer des gens dans le public, et je vais devoir voir qui c'est, pas leur donner leur nom. Non, que je ne suis pas médium sur les noms, je suis médium sur les visages. C'est un métier. Serrer très fort, ça va. Irait bien. Non, faut la mettre devant, pardon. N'hésitez pas, plus. Devant. Ah, c'est devant. Ouais. C'est mieux devant. Là, ça part, j'ai pas mal. Comme ça, ça fait un peu Winnie l'ourson. Thank you.
vous plaît. Il y a un Bodo derrière. Hein. Je vois rien. C'est monsieur. Enfin, je vois pas derrière. C'est monsieur à des lunettes. Oui. Oh. Et vous mettez quoi? Une chemise rouge. Mais quelle horreur. Bah oui. Hein. Thank you.